tous, c'est Alex. Alors, dans la vidéo d'avant, on avait vu les préparations pour les semis de tournesol. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas une vidéo sur les semis parce qu'en fait, j'ai pas pu la faire. Donc, il n'y en aura pas cette année de semis de tournesol. Je suis vraiment désolé. Enfin, je suis désolé, c'est surtout pour vous parce que ça aurait intéressé certains, bien sûr. Ce qui fait qu'en fait, il n'y en aura pas. Voilà, c'était juste pour expliquer ça. Allez, bonne vidéo. Alors, si on pose un canon, en fait, c'est parce qu'on a du dégât de pigeon. Donc, je ferai voir quelques images des dégâts des pigeons à la fin de la vidéo. Et on est obligé d'utiliser ce système-là pour les faire fuir. Alors, il va être mis en place, donc il est à peu près au milieu du champ, là, dans la haie. Et il va être déplacé. Dans 3 ou 4 jours, on le mettra à un autre bout du champ. On espère ainsi éviter un phénomène d'accoutumance en fait. Alors voilà, c'est fait comme ça, un tournesol quand ça naît, souvent de fois avec la coquille par-dessus. Et c'est ça que les pigeons viennent manger. Et en mangeant la coquille, eh bien évidemment, donc certains vont s'en sortir comme ça et d'autres vont être coupés puisque le pigeon va arracher en même temps les feuilles. Et c'est un tournesol qui est mort. Donc là maintenant, on voit aussi les tournesols qui ne sont pas encore sortis de terre. Mais eux, ils n'ont pas la coquille dessus, ils ont réussi à s'en débarrasser directement déjà dans la terre. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut!